Bienvenue au lieu de rassemblement. C'est le centre social du Motorfest. Mais c'est aussi l'endroit où on accède à toutes les fonctionnalités du festival. Rends-toi au main stage. C'est là que tu pourras participer au custom show ou explorer et tenter de devenir une véritable légende du Motorfest. Bien entendu, tu pourras rejoindre une playlist. Tu sais déjà à quel point elles sont délirantes. Surtout, n'oublie pas les épreuves thématiques mensuelles. On adore varier les plaisirs par ici. Enfin bref, je te laisse le temps de tout découvrir. Amuse-toi bien. Bye. Bienvenue au Custom Show. Ici, tu peux voter pour tes véhicules préférés de la semaine ou inscrire ta voiture customisée au concours pour obtenir des récompenses en fonction de ton classement.
Eola Nakai Kiraposo. Tu vas t'en souvenir ? Rassure-toi, pas besoin de le dire entièrement. Keola suffira. On m'a dit que tu avais besoin d'un guide. Je serais ravi de te raconter une histoire ou deux au passage. Ce serait dommage de ne pas immortaliser notre voyage, hein ? Relax. J'ai demandé au Motorfest de prendre des photos pour toi. Contente-toi de rouler et de kiffer. Hey, le design de ce van. Je reconnais le style de Dakine. Un artiste de rue locale qui sait transmettre la vibe hawaïenne. Décroche pas ta planche tout de suite. On attrapera les vagues plus tard sur la côte nord. On va se régaler là-bas. En attendant, mate un peu ce paysage. L'île que tu vois là-bas, c'est Molokai. Hawaii Paeina, ou l'archipel d'Hawaï, aurait été tiré vers la surface par le crochet magique de Maui. C'est ce que mes kupuna me racontaient. Tu me crois si tu veux. Coconut Resort est juste devant. Un hôtel épique qui a malheureusement été détruit par un ouragan. Les palmiers qui bordent la route, c'est plutôt cool. Ce serait parfait pour la première photo.
visage, nouvelle photo. Hola Opoko, Nanikea. Une autre chaîne de montagne? En fait, ça fait partie d'un volcan. Et c'est là qu'on va. Relax. Il dort depuis 2,5 millions d'années maintenant. Ça, c'est le B-side, Kaneohe. Terre riche en ressources de l'ancien temps. C'est assez développé maintenant. Regarde ça, ça donne envie de s'installer, hein? Regarde le canyon de Mona. C'est ma partie préférée de ce parcours. Des falaises et des cascades. Si paisible. L'endroit idéal pour recharger ton mana. On se voit plus tard. Laisse tranquille. Alors, comment était cette première exploration? Dis-moi ce que je peux faire pour toi. On passe au prochain objectif? C'est parti! Notre prochain arrêt, Kaneohe. Le parc t'y attend et est prêt à te montrer une autre facette des courses à la japonaise. Également appelée la Tokyo Bayshore Route ou Route B, est un tronçon d'autoroute célèbre pour les courses de rue. Presque tous les pilotes des années 80 et 90 la connaissent. Leurs armes. Et
C'est ce qui a légèrement inspiré notre prochain event. T'as géré comme un vrai Achiria avec ma NSX. Ça m'intéresse. Bah, je crois bien que tu vas te régaler. Ah ouais? Ok, je suis chaud. Vas-y, pilote, cette voiture est faite pour la première place. Ok, petite tête, le spectacle continue. Mais attention, tu pilotes la Skyline de Rennes cette fois, et elle est raide dingue de cette voiture. Ça se comprend, c'est une légende la R34. C'est un kaiju. La Skyline est une icône. C'est une voiture puissante, faut du talent pour la maîtriser. Ouais, Ren a passé des années à la dompter. C'est pas pour rien qu'on appelle cette voiture Godzilla. Donc en gros, si tu bousilles la voiture de Ren, quitte la planète. Parfait pour donner un aperçu de l'esprit Wangan. Un mythe absolu parmi les pilotes japonais. Imagine-toi rouler sur la Wangan Sen à Tokyo, avec une seule chose en tête, rouler à fond. Course Wangan, tout est question de vitesse, l'ami. Avec la Skyline, ça devrait clairement pas poser de problème. Essaie encore une fois. Les dragons. Vas-y, fais un vœu. Faites gaffe au prochain virage. Shingo s'est planté dans un virage la nuit, soi-disant parce qu'il était ébloui par la lune. Oh, c'est bon, là! Quel bon souvenir.
dit que t'as géré comme un vrai Achiria avec ma NSX. Ça, ça m'intéresse. Bah, je crois bien que tu vas te régaler. Ah ouais? Ok, je suis chaud. Ok, petite tête, le spectacle continue. Mais attention, tu pilotes la Skyline de Rennes cette fois. Et elle est raide dingue de cette voiture. Ça se comprend, c'est une légende la R34. C'est un kaiju. Bien vu. La Skyline est une icône. C'est une voiture puissante, faut du talent pour la maîtriser. Ouais, Rennes a passé des années à la dompter. C'est pas pour rien qu'on appelle cette voiture Godzilla. Si tu bousilles la voiture de Rennes, quitte la planète. Cette fois, ça va marcher. Parfait pour donner un aperçu de l'esprit Wangan. Un mythe absolu parmi les pilotes japonais. Imagine-toi rouler sur la Wangan Sen à Tokyo, avec une seule chose en tête, rouler à fond. Wangan, tout est question de vitesse, l'ami. Avec la Skyline, ça devrait clairement pas poser de problème. Rébellion ! Le Louveteau veut prendre la tête ! C'est parti pour un nouvel essai? Place à l'action. Qu'est-ce qui te tente? Alors, comment était cette première exploration?
regorge de lieux envoûtants et variés. Le temps s'annonce radieux pour le prochain event. Que penses-tu d'une balade en décapotable à la campagne ? Pas si mal pour un bleu. Préparer une grande classique d'une très célèbre marque allemande, la BMW Z4 M40i. Le constructeur bavarois a toujours été un des leaders dans le domaine des roadsters. De la série 4 à la série 8, en passant par la M6, un nombre imposant de modèles ont été transformés en cabriolets. Donc, pour résumer, tu seras au volant d'une BMW, cheveux au vent, dans l'un des endroits les plus paradisiaques de la planète. Mince, j'aimerais tellement être humaine. Les vivants. Imo o lelo ana auia oe. He koi koi kaamo o lelo. He lai pili, ai ke kanaka I kono aua puni. E hui koke aku no, kaua I ke hoa. Première photo, j'ai pas pu résister. Ces éoliennes sont inspirantes. Tea uekeoa. Ou plutôt, comment ça va, mon ami? Bon, maintenant que t'es là, je vais t'apprendre d'autres mots qu'aloha en hawaïen. En décapotable, à l'air libre, au milieu des champs de tournesol. Ça, c'est du week-end à la campagne. L'île est pleine de plantations. Il y en a de partout. Canne à sucre au sud, banane au nord et les ananas au milieu. Je me
souviens d'une autre légende de mon enfance. Tout ce que tu vois a vu le jour grâce au dieu Lono. Hé ! Rate pas ce virage à gauche ! Lono est celui qui apporte l'équilibre avec les saisons humides, rendant ses terres fertiles. De la vraie poésie, mais il y a toujours une partie triste. Joli. Voilà la chute. Quand il pleut, on dit que c'est Lono qui pleure la femme qu'il a perdue, Keiki Lani. Poétique, je te l'ai dit. Et ce sont ses larmes qui font tout pousser ici. Choses à plat. Les bâtiments au loin. Dans la boîte. Ça, c'est la capitale Honolulu. De la playlist.
direction la côte. Puis-je t'être utile, pilote ?
débloquée. La voie est libre pour y participer, pilote. Nous avons vraiment adoré concevoir la prochaine playlist. Un indice, pense à l'une des voitures les plus célèbres de tous les temps. Toi, pilote. D'une telle diversité que ça semblait évident de lui dédier ce chapitre. C'est le style. Donc lorsque tu prends le volant d'une 911, tu dois porter toutes ces valeurs. Prends soin des voitures et tu auras le droit à un bonus à chaque event. Moins tu endommages la voiture, meilleur sera ton bonus. Donc, même pendant une course, conduis proprement, prends soin de ta voiture et bats tes adversaires avec finesse.
talent,